Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un DIY spécial Halloween. Donc je pense être la première youtubeuse équestre à faire ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer deux déguisements d'épouvantail, un pour votre loulou et un pour vous. Donc c'est parti! Pour votre loulou, il va falloir prendre un mètre à couture et prendre deux mesures. Le premier se fait du milieu du poitrail jusqu'au milieu du boulet. Et le second du milieu de l'encolure au milieu du poitrail. Pour la salopette, vous pouvez utiliser une vieille salopette et prendre la première mesure pour couper les jambes ou faire comme moi, fabriquer une salopette. Malheureusement, ma caméra n'a pas filmé. Elle a seulement filmé le moment où j'étais en train de coudre les bretelles. Mais vous avez simplement à prendre le restant de jambes et à couper un morceau pour pouvoir faire le haut de la salopette et prendre un second morceau pour faire les deux bretelles. Et j'ai voulu coudre des petits boutons pour rendre la salopette un peu plus réaliste. Pour la chemise, vous allez prendre la deuxième mesure, celle du milieu de l'encolure au milieu du poitrail. Et vous allez mesurer pour pouvoir couper la chemise à la taille de votre loulou. Ensuite, vous allez mettre la chemise dans la salopette. Et vous allez coudre. Donc n'hésitez surtout pas à mettre plusieurs couches. Parce que je sais qu'avec Bilbao, quand j'ai essayé le déguisement, bah, il s'est un peu arraché. Du coup, j'ai dû recoudre par-dessus. Ensuite, vous allez attacher les bretelles. Donc, pour les bras, j'ai voulu donner un effet où Bilbao avait des bras avec des mains pour son déguisement. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous allez couper le bras de la chemise pour que ce soit un peu proportionnel niveau bras et jambes. Et avec un oreiller, ça va servir de rembourrage et vous allez rembourrer le déguisement. Donc tout d'abord, vous allez rembourrer des gants. Donc moi, j'ai utilisé des gants de chantier, mais n'hésitez surtout pas à prendre plutôt des gants en laine parce que j'ai galéré à rembourrer mes gants. Avec un élastique. Au niveau de la chemise, vous allez coudre au niveau de l'épaule tout le bras pour pouvoir fermer et pouvoir rembourrer. Donc n'hésitez surtout pas à mettre beaucoup de rembourrage pour que ça tienne mieux. Le bras, il faut tout simplement coudre la chemise au gant. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Pour l'arrière, vous allez couper au milieu. Ça va permettre de pouvoir attacher le déguisement à votre loulou. Et vous
vous allez faire deux trous en haut pour pouvoir passer une première ficelle et pouvoir attacher au niveau de l'encolure pour ainsi faire monter les bras pour qu'ils tiennent bien. Et faites deux autres trous plus bas pour faire tenir mieux le déguisement. Pour le chapeau, c'est vraiment très simple. Vous allez prendre un vieux sac à patates et prendre au bout et découper un triangle. Ensuite, vous allez mettre un peu de rembourrage en haut pour faire tenir mieux la pointe. Et vous allez coudre pour faire tenir le rembourrage. Ensuite, j'ai plié les côtés du chapeau parce que je voulais donner un peu un meilleur effet parce qu'avec les pointes, ça ressemblait plus à un chapeau de marin. Et après, j'ai pris une agrafeuse pour attacher le bonnet. Ensuite, vous mettez de la paille à l'intérieur et vous venez le scotcher avec du scotch assez résistant. Pour mieux tenir, vous allez coudre dans le scotch pour faire tenir la paille. Ensuite, vous allez faire un trou d'un côté et passer du fil pour pouvoir attacher le bonnet sur votre loulou. Donc moi j'ai pris du fil élastique. Faites un deuxième trou de l'autre côté pour pouvoir rattacher l'autre côté du fil. Et voilà! Pour les détails sur la salopette, j'ai tout simplement pris les restants de chemise et j'ai découpé un carré que je suis venue coller avec de la colle U. Un marqueur, je me suis amusée à faire des petits traits sur les côtés pour donner l'effet un peu cousu. Et pour donner un meilleur effet épouvantail, j'ai rajouté de la paille dans les poches. Voilà le résultat, un joli petit épouvantail. Passer à mon déguisement qui est un autre effet épouvantail. Donc pour la robe, j'ai utilisé un second sac à patates et j'ai dessiné trois ronds. Un pour pouvoir passer ma tête et les deux autres pour pouvoir passer mes bras, que j'ai ensuite découpé. Des épaules parce qu'elles étaient vachement larges, j'ai tout simplement redécoupé un morceau sur les côtés. J'ai mis des points de couture pour que ça tienne mieux. N'hésitez surtout pas, encore une fois, à en mettre beaucoup pour que ça tienne mieux. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Pour le chapeau, c'est la même chose que Bilbao, donc je ne vais pas vous répéter ce qu'il faut faire. Pour les petits détails, j'ai tout simplement déjà mis une corde au milieu de ma taille et j'ai redécoupé de nouveau des carrés que j'ai collés sur, avec de la colle et j'ai refait mes petits traits. J'en ai fait deux petits au-dessus. Parce que je trouvais que c'était un peu vide. Pour le bas, j'ai tout simplement mis un collant opaque parce qu'il fait assez froid. Que j'ai rajouté un petit carré de chemise et j'ai mis des boots avec de la paille. Pour le maquillage, je suis tout simplement allée regarder sur YouTube des make-up d'épouvantail. Donc je vais vous mettre le lien de la vidéo que je suis allée voir.
voilà, fin prêt pour Halloween. Donc si vous voulez reproduire ces déguisements, n'hésitez surtout pas à m'envoyer via Facebook et Instagram vos créations. Les liens seront en fin de vidéo ou sur ma chaîne en haut à droite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris un grand plaisir à la filmer. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite surtout un joyeux Halloween. Bye !